Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Très chers auditeurs en ligne, très chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques de vos villes respectives, nous sommes fidèles au rendez-vous pour vous servir encore et encore et encore par la parole de la foi. Nous voulons vous saluer les uns les autres au nom du Dieu fidèle. J'aimerais qu'il puisse vous disposer à nous écouter. Et le sujet que nous allons développer pour vous aujourd'hui s'intitule « Sur les traces du grand bonheur ». Dieu est grand, il s'est donné ce qui est grand. J'aimerais vous placer sur les traces du grand bonheur pour l'an 2024 qui va bientôt commencer. Le texte de base que je vais lire pour vous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20 et les versets 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit il y a, c'est la vision du Seigneur lui-même que je vous communique. Chers auditeurs en ligne, chers auditeurs qui nous suivez par des radios périphériques, il y a, j'aimerais que vous soyez informés par l'informateur fidèle. Il y a, alléluia. Parfois les gens vont chercher des mines là où il n'y a pas de matières précieuses. Mais ici, c'est une information qui vient du Seigneur lui-même. Il y a. J'aimerais que vous puissiez aller là recevoir le grand bonheur. C'est lui qui nous indique l'adresse du grand bonheur. Il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Il y a des bonheurs dans ce verbe donner. Il y a plus de bonheurs à donner qu'à recevoir. Il y a, j'aimerais que vous soyez bienheureux. Suivez-moi bien, vous soyez bienheureuse. Comme Marie, j'y reviendrai, qui a dit toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Il y a bonheur. Il y a. C'est la parole du Seigneur lui-même que l'apôtre Paul répète pour rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur. Alléluia. Il n'y a plus de bonheur. C'est pourquoi je vous ai donné le sujet qui s'intitule sur les traces du grand bonheur. Il n'y a plus de bonheur. Il y a. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a dans les données et non dans le recevoir. Les chrétiens passent le temps plus dans le recevoir que dans les données. Non, nous allons changer la trajectoire qui va vous conduire au grand bonheur. Alléluia et alléluia. Et c'est Jésus qui le dit. Il y a plus au superlatif. Il y a plus du bonheur. Alléluia. Quand il parlait, il le sentait dans son âme comme je le sens maintenant dans mon âme. Il y a plus de bonheur à donner dans les données que dans les verbes recevoir. Plus de bonheur. Changez votre manière de voir les verbes recevoir et les verbes donner. J'aimerais que le Seigneur puisse vous baptiser dans les pouvoirs de donner. C'est ce que lui-même va dire, j'y reviendrai. Le Père m'aime pour que je donne ma vie, afin de la reprendre. Dit personne ne m'ôte la vie. C'est le pouvoir que j'ai reçu de mon Père, de donner et de la reprendre. J'y reviendrai. J'aimerais que l'Église évolue dans sa manière d'approcher les choses de Dieu. J'aimerais placer les uns les autres sur les traces, alléluia, du grand bonheur. Ils ont marché sur les traces, sur les chemins, sur les boulevards du grand bonheur. Le grand bonheur n'est pas dans le recevoir, il est dans les donner. Et on va vous appeler bienheureux, bienheureuse. Beaucoup de chrétiens savent et savent que quand on reçoit, c'est un bonheur. C'est Jésus même qui l'a dit. Demandez et vous allez recevoir.
en fait que votre joie soit parfaite. Il sait. Mais Jésus dit des phrases extraordinaires ici. Il sait qu'il y a le bonheur dans le recevoir. Mais ici, il dit quoi? Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Hey, vous voyez, il est équilibré quand il parle. Il sait que la réception donne la joie, que le recevoir donne le bonheur. Ça vous comble de joie. Ça vous rend heureux. Mais j'aimerais que vous puissiez évoluer, aller dans la plénitude du bonheur. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit ici. J'aimerais que vous soyez baptisés dans la... Si hier vous avez été baptisés dans la plénitude, dans les bonheurs, mais j'aimerais que vous soyez baptisés dans la plénitude du bonheur. Et voici les traces sur lesquelles vous devez marcher. Les données, il y a... Jésus est merveilleux dans sa manière d'évaluer les choses même de Dieu. Il n'y a plus. Much more. Je ne sais pas bien si ce que j'ai dit là en anglais existe. Much more. Le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappelant les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur, alléluia, à donner qu'à recevoir. Pourquoi mon sujet s'intitule sur les traces du grand bonheur? C'est lui-même qui l'a dit. Et il ne dit pas des choses au hasard. Il dit ce qu'il connaît, ce que son père lui a dit. Il ne disait rien de lui-même, sinon ce que son père lui disait. Son père lui avait dit, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de bonheur. Soyez baptisés, plongés dans les données pour plus de bonheur. Cet texte est extraordinaire. Il n'y a plus de bonheur. Il y en a. Vous n'avez qu'à croire et à pratiquer cela et vous verrez qu'il y en a. Il y a plus de bonheur quand nous vivons à l'ère où les chrétiens reçoivent plus qu'ils ne donnent. Et ça, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la chose la plus extraordinaire. C'est mieux de recevoir, mais c'est plus excellent d'étonner. Il y a les gens en donnant, ils ne sont pas heureux. Vous savez pourquoi ils ne sont pas heureux? Je trouve que donner ne donne rien. Quand Dieu dit, Dieu aime ceux qui donnent des bons cœurs, c'est pour ce qu'il sait. J'aime bien la parole de Dieu qu'on donne avec joie. Dieu aime ceux qui donnent des bons cœurs. Revenons, je pense à toute l'église universelle. Ils sont plus dans le recevoir que dans les donner. Ça doit changer. Revenons au message du Rabouni. Il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les gens passent le temps beaucoup plus à quoi? À recevoir, à demander le recevoir. Jésus qui l'a enseigné, ce n'est pas mauvais. Et lui, il est équilibré. Il ne dit pas que recevoir est mauvais, non. Simplement, il lui fait la différence d'importance de ces choses. Et il dit quoi? Il y a plus, plus, much more. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pasteur Ben, Diacre, Michel, dans vos églises, on donne plus les témoignages de ce que Dieu a fait pour eux que ce qu'on fait pour Dieu. Et là, ça ne va pas. Les témoignages que l'on donne dans les églises du monde, c'est plus le recevoir que le donner. J'aimerais corriger ça par le Saint-Esprit. Vous serez d'accord avec moi que dans les églises, on donne plus le témoignage sur le recevoir que sur les donner. Mais Jésus, lui, c'était sur les donner. Quand Dieu a tant aimé les mots, il a donné. Alléluia. Donner cette témoignage qui vous amène dans la dimension de Dieu. Alléluia. C'est vrai, je savais qu'on s'est dit que si vous donnez avec la main droite, que la main gauche ne le sache pas. Mais cela veut dire qu'il faut éviter de donner pour apparaître devant les gens que vous donnez. Mais le témoignage dont je parle, c'est quelque chose qui amène les gens à savoir suivre les traces de ceux qui donnent. C'est ça le témoignage. J'aimerais que les pasteurs disent, j'ai donné 100 000 rennes à l'église.
non pas dans un esprit de remontrance, mais dans un esprit qui pousse les gens à faire de même. Et vous verrez que ça va vous produire beaucoup. Mais malheureusement, les gens passent le temps à donner les témoignages de ceux qui sont reçus de Dieu. Ce serait pas mauvais, je viens de vous le dire. La phrase du Seigneur est claire et nette. Il y a plus de bonheur à donner. Plus, much more. Même dans les recevoir, il y a le bonheur aussi. Bienheureux ceux qui reçoivent. Mais il y a plus dans l'autre verbe que dans le verbe recevoir. On va changer la donne pour l'an 2024, qui est plus d'y donner que d'y recevoir. Et vous verrez que dans les donner, il y a les donner, les recevoir. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Dans les recevoir, il n'y a pas les recevoir. C'est dans les donner qu'il y a le recevoir. Je comprends pourquoi Jésus dit il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puisque dans le recevoir, il n'y a pas le recevoir. Mais le recevoir est dans les donner. J'espère qu'on me comprend, ceux qui m'accompagnent aujourd'hui à Johannesburg en parlant de ces messages ici. C'est dans les donner qu'il y a le recevoir. Qu'il a dit le premier Jésus. Donnez, il vous sera donné. Puisque dans les données, je comprends pourquoi ce monsieur de Nazareth est intelligent. C'est puisque c'est dans les données qu'il y a le recevoir. Tandis que dans le recevoir, il n'y a pas les données. J'espère que l'église va me comprendre dans ma démarche. Pourquoi le maître avait dit, il n'y a plus de bonheur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est puisque dans les données, il y a le recevoir. Connaissait les données de la veuve de Sarepta. Elle a donné le pain qui lui restait. Mais dans ces données-là, il y avait le recevoir de 300 d'approvisionnement. Alléluia et alléluia. Il n'y a plus de bonheur à Sarepta. Il n'y aura plus de bonheur à Johannesburg. De bonheur à Kounsat, à Kertan. C'est puisque dans les données, il y avait le recevoir. J'espère qu'on commence à comprendre cette phrase du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Recevez en donnant. Et là, connaissez vous-même aussi la tsunamite qui avait dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une chambre. Oh, chaque fois qu'il vient ici, il va dormir ici. Il y avait plus de bonheur chez la femme tsunamite. Et dans les données de la femme, il y avait quoi? Il y avait la fécondité. Alléluia et alléluia. Il y avait la fécondité. Elle a reçu la fécondité dans son donné. J'aimerais que vous puissiez recevoir par les données. Afin de comprendre la profondeur de ces messages du Seigneur. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il a disponibilisé la chambre pour le logement des serviteurs de Dieu Élisée. Et dans cette disponibilisation de logement, alléluia, alléluia, il y avait quoi? Il y avait la fécondité. C'était une femme stérile, elle a enfanté. Recevez ce que vous ne pouvez pas recevoir par la prière simple, par la demande. Recevez en donnant. Comme la tsunamite, elle avait reçu la fécondité en donnant. Elle a donné et on lui a donné. C'est ce que Jésus avait dit. Donnez, il vous sera donné. Ça fonctionne. Revenons sur les traces du grand bonheur. Et les gens, c'est bizarre. Ils prient, ils sont dans ce que j'appelle l'école maternelle de l'évangile. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrirez. Ils sont que là. Moi, je dis oui. Vous allez recevoir. Mais dans ce recevoir, il n'y a pas les données. Ou le recevoir. Vous allez recevoir, c'est tout. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Demandez, on vous donne. Vous allez recevoir. Ça ne s'arrête pas là. Mais moi, j'aime recevoir en donnant. Revenons à l'évangile. Souvent, on lit ces paroles de Dieu. On ne tient pas compte de cela dans les comportements des uns et des autres au sein de l'Église universelle. Revenons, j'aimerais qu'on revienne au grand amour, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a donné! Lui donne.
et il reçoit en retour quand il donne. Très important. Ainsi qu'il faut soutenir les faibles, c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu fais moi bien. Alléluia. Abraham, sur les traces du grand bonheur. Abraham, le père de la foi, le père des nations, marchait sur ses traces pour jouir du grand bonheur qu'il a joui. Abraham, dans le chapitre de Genèse, chapitre 22, jusqu'au verset 18 par là, il est sur le chemin dont je vous parle aujourd'hui. Il avait éprouvé le bonheur à recevoir, mais ce n'était pas le grand bonheur. Il reçoit qui? Isaac. Et si vous regardez, il avait reçu Isaac pour avoir donné. Mais Dieu allait l'amener au grand bonheur. Les anges qui partaient à Sodome et Gomorrhe pour exécuter les desseins de Dieu de punir ces pécheurs méchants. Il n'y a pas de salut pour les grands pécheurs et les grands méchants de Sodome et Gomorrhe, de New York City, de la France. Il n'y en a pas. S'ils ne se repentent pas, c'est le feu. C'est le feu. Mais vous avez quand même, c'est avec sursis. Si vous vous repentez, Dieu ne vous met pas dans le feu. Il se repent des mots qu'il voulait vous envoyer. J'aimerais que Dieu puisse se repentir du feu éternel dans lequel il voulait jeter les hommes. Mais à condition de vous repentir, habitants de la terre. Et comme la ville de Ninive, Jonas était envoyé. Dieu s'est repenti de ce qu'il allait faire. Puis cela veut dire quoi? Dans 3 jours, Ninive sera détruite. Et je dis à la terre, si vous vous repentez, Dieu va se repentir de feu dans lequel il voulait vous jeter avec le diable et ses anges. Mais ici, c'est passé, j'ai parlé de cela en passant. Il est entré, ils sont arrivés, et il a donné un bon repas. Vous pouvez appeler ça un déjeuner, un petit déjeuner continental. Les anges étaient rassasiés en recevant les dons du repas délicieux. Alléluia. Et l'ange ouvre la bouche, on lui dit, à cette même époque, je reviendrai. Tu auras, je vais te donner. Pourquoi il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Vous voyez que dans les mains de qui? De Sarah et Abraham, il y avait le bébé Isaac. Extraordinaire. Recevez en donnant. Il y a plus de bonheur à donner. Ah, regardez bien. Ce que qui Abraham avait donné n'a pas de commun accord avec ce qu'il avait reçu. Un repas copié qui a entraîné la réception du bébé. J'ai dit aux pasteurs, aux frères et sœurs, Dieu vous a donné beaucoup de visions, beaucoup de rêves, beaucoup de promesses. Apprenez à marcher sur le chemin d'Abraham. Donnez le buffet pour l'exécution. C'est ce que Dieu vous a promis. Je pense à ça. Et ils ont mangé la dit à cette même époque, je reviendrai. Et vous allez avoir un bébé, Isaac. Cet homme est extraordinaire. Écoutez, Isaac a grandi. Il était heureux, Abraham. D'avoir Isaac qu'il avait attendu pendant des années. Il est arrivé par les dons. C'est pourquoi il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que je parle ici. Si vous répentez, vous savez qu'à Sodome et Gomorrhe, la famille de Lot allait être incinérée. Mais puisqu'il avait marché sur les traces de son cousin Abraham, et là, il n'a pas été incinéré, on lui a accordé les salut. Pourquoi? Puisque Lot avait exercé l'hospitalité. Là encore et encore et encore, pour avoir logé les anges, dit Hébreux chapitre 13, on lui donne les saluts. Il est extrait de la fournaise. Quand Abraham s'était réveillé, il avait regardé côté Sodome et Gomorrhe. C'était comme une fournaise. Il est extrait de la fournaise de feu. Ah, les données, puisqu'il avait reçu 3 anges. Les messagers. J'ai dit aux frères et sœurs dans le monde, recevez les messagers. Pour vous éviter des catastrophes qui vous guettent sans les savoir. En 2024, apprenez à les recevoir. Ne commettez pas l'erreur qui a été commise par les Juifs. Jésus pleure. Ils n'ont pas reçu. Il dit, si vous connaissez ce qui était lié à votre, les jours de votre, les temps de votre visitation, et ce qui était lié à votre paix, ça vous a été caché. Ils vont venir vous détruire. Et vous ne pouvez pas savoir.
ce qui vous guette, sœurs et frères. J'aimerais vous libérer de ce qui vous guette, des catastrophes que vous ne connaissez pas. On ne se moque pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais l'autre échappe à la catastrophe. Pour ceux qui sont dans les villes des nations qui roulent dans des grandes routes à haute vitesse, apprenez à conjurer des catastrophes à venir par les données. Puisqu'ils ont donné, il a donné les logements. Et il était prêt à donner la vie quand on a voulu mettre la main sur eux. On voulait lui faire pire. Mais les anges l'ont caché. Ils ont frappé d'aveuglement. Pour avoir donné les logements, il a eu la vie sauve. Il a échappé à la catastrophe de Sodome et Gomorre. Il n'y a plus de bonheur. Donnez, il vous sera donné. Et Abraham, il donne quoi? Dieu lui demande, il voulait l'introduire dans les grands bonheurs. Que la réception d'Isaac. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui apprend ce que je vous apprends là. Donne-moi les fils que tu aimes tant. Offre-moi les fils. Moi, j'ai dit aux gens, apprenez à donner ce qui est, ce que vous avez de meilleur. La Bible écrit dans Malachie, dit, mon Dieu quiconque garde les meilleurs et vous à l'éternel ce qui est chétif. Il va les donner à ton gouverneur, il va recevoir ça. Dieu cible les meilleurs. Il veut que vous donniez, mais que vous donniez les meilleurs. Et lui dit, donne-moi les fils que tu aimes tant. Offrez-les-moi. Adam connaissait le chemin du grand bonheur. Et il prend Isaac. Il se met sur le chemin. Du grand bonheur, ils arrivent sur la montagne. Jéhovah Jireh. C'est une montagne qui fonctionne encore et encore et encore. C'est là qu'il est allé pour offrir Isaac, pour donner à Dieu. Écoutez ce que Paul dit. L'église de Philippe lui envoie des enveloppes d'argent en abondance. Et qu'est-ce que Paul dit? Face à ces dons-là, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi il n'y a plus de bonheur qu'à donner. Vous assurez vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Jéhovah Jireh. C'est la montagne du recevoir. J'aimerais vous placer aujourd'hui sur la montagne du recevoir. C'est donné. C'est voilà la montagne des montagnes. Voilà la montagne. Si vous donnez les meilleurs, cette montagne deviendra votre réalité pour selon Dieu. Dieu était avec Abraham sur la montagne. Jéhovah Jireh, mon Dieu pourvoira. Mais l'apôtre Paul revient des milliers d'années plus tard. Il n'a pas changé. Ça fonctionne. Puisque là, récit des enveloppes des Philippiens. Il dit, mon Dieu pourvoira. Il revient à Jéhovah Jireh. À tous vos besoins. Recevez en donnant. C'est comme une bonne odeur. Est-ce que vous savez comment Dieu a disponibilisé la Pentecôte des quatre points cardinaux? C'est par ces messages. C'est par ces messages qui a été vécu par un Européen, Corneille. Et non, je lui dis, tes prières et tes aumônes sont montées. Fais venir Simon, Pierre. Et quand il arrive, qu'est-ce que Pierre fait? Il lui parle et après quoi? Le Saint-Esprit. Dans les données, il y avait le recevoir chez Corneille. Le Saint-Esprit, c'était l'atterrissage de la Pentecôte des quatre points cardinaux selon la vision de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi cette parole de Christ est valable. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je sens cette onction du donner qui vous mènera au grand bonheur. Et qu'est-ce qu'on donne à Abraham? Dieu gire. Il dit, je l'égire. Écoutons. Dès que l'acte a été posé par Abraham en donnant, en offrant son fils, Dieu l'arrête pour ne pas exécuter totalement puisqu'il n'avait pas envie de ressusciter Isaac. Mais dans la vision d'Abraham, il avait la foi de la résurrection de son fils. Mais Dieu a dit, non, écoute, on stoppe. Il y a l'ange qui dit, stoppe-le. Je sais qu'il vient d'apprendre ce que je voulais lui apprendre. Ce que je vous apprends aujourd'hui. Recevoir par les données. Le verset 11 de Genèse, chapitre 22. Alors l'ange de l'Éternel. Alors. Ce n'est qu'après cet acte-là. Comment vous aider? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux
et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Mais voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Dieu est touché par les dons meilleurs d'Abraham et par la décision. Écoutez. 14. Alors Abraham donna à ses lieux le nom de Jéhovah Jireh. Que signifie? Dieu pourvoira à tous vos besoins. Jéhovah Jireh est après votre don. Donné, il vous sera donné. Et quand il a posé cet acte de don de son fils unique, alors Jéhovah Jireh apparaît. Recevez la révélation de Jéhovah Jireh, vous qui donnez. Recevez cela. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Le verset 14. Abraham donna en ces lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu as donné, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Alléluia. Je te multiplierai. J'ai multiplié ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia et alléluia. Et les ennemis sont devenus des tapis rouges pour Abraham, pour sa postérité. Mais Jésus aussi, quand il a donné, dit: Assieds-toi à ma droite, car c'est face à tes ennemis, ton marche-pied. Marchez sur les ennemis de votre pays en donnant. C'est pourquoi il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc l'enfant et les ennemis sont sous les pieds. C'est extraordinaire. Et le verset 18: Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Alléluia. Sur les traces du grand bonheur. Regardez tout ce que Dieu a donné comme des choses qui comptent. C'est pour la Sénamite, c'était un enfant, mais ici c'est des sables de là, comme des étoiles. Quelle fécondité! Au lieu de la fécondité qu'il avait d'Isaac, mais ici c'est une fécondité à l'infini. Alléluia! Laisse-moi, je crois qu'on est entré d'aller vers la fin. Lire un passage, ça c'est Jésus. Arrêtons-nous un peu sur Jésus de Nazareth. Jean chapitre 10. Lui aussi, il va mettre en pratique ce que j'enseigne aujourd'hui. Sur les grands bonheurs par les données, mais pas les données de n'importe quoi, c'est pas les données du meilleur. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Les pères m'aiment parce que je donne, alléluia, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. D'une manière, il faut donner de bon cœur. Je donne. Recevez, c'est quel qui donne, non pas en vos forces. Parce que parfois ces poumons, on est donné, 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 donné. De sorte même qu'il y a des escrocs maintenant au sein de l'église pour pousser les gens à donner. Ils piègent l'argent de ces gens-là. Si vous prenez cette bouteille ici d'eau, vous serez béni. Dans mon pays, il y a les autres qui donnent des pommes de terre. Et pas des pommes, des pommes fruits. Ces gens-là, ils poussent. On dit, au lieu de passer par ce système bizarre, dites-leur d'avoir Dieu aime pas ce qu'il donne, puisque il sait que dans ces temps-là, il va. Et ils font ça combien, les Nigérians? Parfois 100 dollars. Je suivais ça à une télévision. 100 dollars. Est-ce que quand Élisée avait donné de l'eau pour la purification de la lèpre de Naaman, il avait demandé 100 dollars. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est quel évangile, mes amis? C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe devant nos yeux. Et j'ai dit à l'église, ne participez pas aux œuvres de ténèbres. Plutôt, condamnez-les. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Condamnez ces choses. Et j'ai dit aux pasteurs qui font cela, on va vous envoyer des malheurs. Vous connaissez Géasi, qui était le serviteur de celui, Élisée. Lui a donné gratuitement, l'autre a proposé même de lui donner. Et c'était gratuit. Mais Géasi, il est allé monter une histoire qu'on monte, ce n'est pas l'eau, c'est lui, ce n'est pas si c'est cela, ainsi de suite. Il dit, il y a les serviteurs qui sont venus chez mon maître et ils demandent que tu puisses donner un peu. Il dit, oh, moi je voulais déjà lui donner l'argent, il n'a pas voulu. Mais voilà, ça, c'est une circonstance qui vient d'arriver là. Et lui sort la gêne. Mais l'esprit d'Élisée, vous voyez ce qui s'est passé là. Et Géasi, il avait monté un coup.
Et il est rentré avec son argent caché. Et l'homme de Dieu lui pose la question, mais d'où viens-tu? Il dit, ne tire pas. Dis que mon esprit ne te tire pas avec toi quand tu as demandé seulement de s'arrêter là-bas. Il est descendu, il lui a dit, c'est il avait une bouche fermée. Et quoi? Dieu l'avait frappé. Dieu frappera ceux qui piègent les dons. Il les frappera. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Fleuve de grâce et de vie, yeah. Teinte du sang de l'agneau, Jésus a donné sa vie, yeah. Pour que l'esprit coule à flot. Alléluia. Fleuve de grâce, source du bonheur promis, la sécheresse a fait place au fleuve du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus a reçu le Saint-Esprit? La porte. Ce qu'il avait donné sa vie pour que l'esprit coule à flot. Je dois courir un peu. Arc des apôtres. Alléluia. Alléluia. Vous les pentecôtistes sur la terre, vous devez ce que vous avez au don du Fils de Dieu de sa vie. C'est pour qu'il est dit. Il est écrit, mon Dieu, quiconque est pendu au bois, dit enfin que la promesse est faite à Abraham trouve son accomplissement. Parmi les nations, que nous puissions faire quoi? Que nous puissions recevoir. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a donné sa vie. Et dans ces dons-là, il y avait le recevoir. Extraordinaire. Actes chapitre 2 et le verset 29. D'abord, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. C'était les traces du bonheur. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et si vous continuez là-bas, il est dit, le verset 33, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ce fleuve qui coule le long des âges est venu par les dons de la vie de Jésus à Golgotha. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'y a plus de bonheur, je crois que Jésus était complet de bonheur lorsqu'il avait vu et entendu que les apôtres étaient remplis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un texte, je crois que je vais courir un peu vite pour lire un texte de Malachie pour que nous puissions clore cette parole d'aujourd'hui hebdomadaire. Et je crois que ça vous fait du bien en m'écoutant. Malachie, chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, donnez les dîmes à l'église. Apportez toutes les dîmes. Si vous ne verrez pas, ça va vous amener à recevoir. Ouvrez les cieux et laissez la bénédiction se répandre avec abondance. C'est les traces de qui? Jacob. Fais-moi les mains comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Dieu est sensible au don. Très sensible. Il sait que lui-même, c'est sa vie donnée. Mais connaît que les hommes ont des problèmes à ce point-là. Il est très sensible aux dons, touché aux sensibilités divines. Si vous ne verrez, mettez-moi à l'épreuve de la sorte, si vous ne verrez pas que je n'ouvre pas les écluses des cieux, et que je ne... Vous allez voir, provoquez-moi de cette manière, incitez-moi. Jésus avait incité son père en donnant sa vie. Et le verset qui suit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira plus le fruit de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Vous connaissez qui dévore sur la terre? C'est le diable. 1 Pierre chapitre 5, verset, je crois, partie verset 10 par là. Veillez et priez, car votre adversaire rôde comme un lion résistant, cherchant qui dévorer. Résiste-toi d'une foi ferme.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Et moi, je vous dis, résistez-lui en donnant. Ce que Dieu dit ici, si vous ne verrez pas que je menacerai celui qui dévore, qui vous impose des souffrances, il va menacer, il va les détruire. Alléluia. Et quand Jésus a donné sa vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a menacé la mort. Il a détruit la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera la mort. Oh mort, où est ta victoire? Alléluia. C'est quand Jésus a donné sa vie. Ici, ce sont les dîmes. Si vous ne verrez pas que je n'ouvre pas l'esprit des cieux et que j'ai pour vous qui donnez là les dîmes, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia. On va bientôt clore notre propos. Verset 12. Toutes les nations vous diront, Eureka, vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia et Alléluia. Je pense à notre sœur Marie, mère de Jésus, qui avait donné sa vie de fiançailles, de mariage à la grâce. Alléluia. Offrez votre vie à la grâce. Donnez-la à la grâce. La grâce, la grâce. Je te salue Marie, toi qui Dieu a fait grâce. Il savait que cette proposition-là allait mettre en cause ses fiançailles et ainsi de suite. Ni c'était une intervention in extremis comme l'intervention de Dieu par rapport à Isaac. C'était capoté. Mais Dieu voulait d'abord voir si Marie pouvait donner sa vie, que les femmes adorent les fiançailles, les mariages, les bébés, les bébés, les ceci, les cela. Même cette femme, elle a sacrifié ces choses, sa vie aussi. Alléluia. Au service de la grâce. J'ai besoin des hommes et des femmes de Catherine Courman qui sacrifient leur vie au service de la grâce. Oh, alléluia et alléluia. Alors, terminons par là. Et quand Marie a posé cet acte-là de donner sa vie, c'est des choses qui parfois amènent les gens à s'éloigner du Seigneur. Mais elle a voulu que sa vie puisse servir. Lisez chapitre 1. Je termine par là, les versets 46 à 47. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, alléluia, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les nations me diront, bienheureuse, quel bonheur, alléluia, un bonheur planétaire, et qui se situait dans les âges, puisqu'il avait donné sa vie au service de la grâce. Alléluia. Donnez votre vie au service de la grâce et vous allez jouir du bonheur et du bonheur. Amen et amen. À la prochaine. Amen. Avoir suivi, faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.